Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview. Je disais donc en direct du showroom, je suis avec Hugo Martin. Comment est-ce qu'il va, Hugo Martin? Ça va bien. Ça va bien. Merci Pierre de m'accueillir. Ouais. Comment tu le trouves, le showroom? Il est bien ou il est bien? Il est super, il est comme à la télé. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Venez pas. Il est bien mieux. C'est bien mieux qu'à la télé, carrément. Question d'introduction traditionnelle, quelle était ta première guitare, Hugo? Ouais, alors figure-toi que je savais que t'allais poser cette question. Bah ouais. Donc j'ai un peu réfléchi et c'était il y a longtemps. Et je me souviens, c'était une Washburn. D'accord. Ouais. Acoustique, électrique? Électrique. Une Washburn, un peu. Bah, j'aimais le hard rock, j'aimais le métal, donc c'était un peu orienté. Guitare pointue, tout ça? Non, ça c'était ma deuxième guitare, figure-toi. la grosse boulette, tu sais, les guitares en V là. Ah ouais, le d'accord. Truc que t'achètes, absolument ouais. Injouable assis. Ouais. Donc je l'ai revendu au bout de 6 mois, celle-là. Et non, ma première Washburn, super guitare, vraiment pas très chère. Washburn, c'était une marque exceptionnelle pour ça. Qui avait des guitares pas très chères, avec une qualité de fabrication de ouf. Et c'était ça ma première guitare. Avec Floyd Rose et compagnie, l'erreur à ne jamais faire quand tu débutes la guitare, acheter un Floyd Rose. Et le jour où tu pètes une corde, tu comprends que tu vas revendre ta guitare en fait. Quoi. Ouais. C'est inchangeable. Voilà. Donc ça, c'était ma première erreur, on va dire, plutôt que ma première guitare. Quoi. D'accord. Voilà. Ça a été quoi ton épiphanie qui a fait que tu as eu envie justement d'acheter ou de te faire acheter cette première guitare? Est-ce qu'il y a eu un morceau, un riff Vous avez aimé cet extrait? Abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder à l'intégralité. Cela vous permettra d'accéder au magazine vidéo qui contient chaque mois plus de 10 nouvelles vidéos avec des interviews, des chroniques, des masterclass et des tests de matériel. L'accès aux vidéos déjà publiées est inclus. L'abonnement vous permettra aussi de dialoguer via la communauté privée pour avoir des échanges de qualité entre passionnés de la guitare et professionnels de la musique.